Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le planeur navire de Jack en récompense sur Fortnite. Alors depuis aujourd'hui, avec la collaboration de Pirates des Caraïbes et Fortnite, nous avons un pass de combat qui nous permet de débloquer plusieurs récompenses. Et vous avez aussi un pass de combat pour 1000 V-Bucks qui vous donne des récompenses supplémentaires. Bien entendu, si vous achetez le pass de combat, vous obtenez aussi directement le skin Jack Sparrow. Et quand vous aurez terminé le pass de combat, vous débloquerez la variante du skin Jack Sparrow, si bien entendu vous l'avez acheté. Alors, comme j'aime bien la licence, je vais l'acheter, mais avant ça, je vais mettre mon petit code créateur SCM dans la boutique. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir acheter mon pass de combat Pirates des Caraïbes. Confirmer l'achat, let's go! Et voilà, comme je vous l'ai dit, vous débloquez directement le skin Pirates des Caraïbes, donc Jack Sparrow, qui est super stylé. Alors avant de vous expliquer comment débloquer le planeur navire de Jack, je vais vous expliquer comment fonctionne le pass de combat pour au cas où les nouveaux joueurs. Alors ici, pour les récompenses du haut et pour les récompenses du bas, c'est la même chose. Vous allez devoir obtenir un total de 11 000 pièces maudites. Et pour obtenir ces pièces maudites, vous allez devoir réaliser les défis voile maudite. Donc quand vous allez dans vos défis, vous allez dans voile maudite et ici, vous pouvez voir que vous allez pouvoir obtenir des pièces pour chaque défi que vous allez compléter. Donc là, c'est une étape de 1 sur 5. J'ai déjà réalisé 4 étapes, donc j'ai obtenu 4 fois 300 pièces. Donc ça fait 3, 6, 9, 12, ça fait 1200 pièces. Donc là, si je vais dans mon pass de combat, on peut voir que j'ai bien 1200 pièces. Donc maintenant, si je réalise encore un défi de code des pirates, règle 1, j'obtiendrai encore 300 pièces supplémentaires. Donc là, il est bien marqué, hein, accomplissez des quêtes de la règle 1 du code des pirates pour obtenir des pièces maudites. Alors, faut savoir que pour l'instant, vous ne pourrez pas débloquer plus de 1500 pièces parce que vous ne pouvez accomplir que 5 défis des codes des pirates. Par contre, dimanche, vous obtiendrez de nouveaux défis des codes des pirates règle 2. Ensuite, 2 jours plus tard, vous obtiendrez la règle 3, la règle 4. Et au total, il y a 8 règles. Donc, il y a 8 fois 5 défis à réaliser pour obtenir des pièces maudites. Alors maintenant, comment fonctionnent les récompenses pour le bateau? Donc ici, quand vous allez sur le pass de combat, vous allez en haut à droite. Et vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux de parchemin. Donc ça s'appelle des morceaux de cartes. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'obtenir 8 morceaux de cartes. Mais pour les obtenir, ces cartes, c'est pareil, vous allez dans vos défis voile maudite et là, vous pouvez voir que vous allez obtenir des cartes en réalisant 4 défis de code de pirate règle 2. Donc moi, j'ai déjà fait 4 défis des codes de pirate règle 1, donc j'ai déjà obtenu un petit morceau de carte pour le bateau. Et quand vous aurez réalisé donc les 8 jours de défis, donc 8 fois 4 défis, là, vous obtiendrez à chaque fois un morceau de carte jusqu'à temps d'obtenir les 8 morceaux de carte. Et dès que vous aurez les 8 morceaux de carte, là, vous débloquerez le planeur navire de Jack. Donc au final, vous allez pouvoir débloquer ce planeur dans plus ou moins 14 jours. Code créateur SC.